Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Je reçois énormément de messages concernant la S36. Et j'en ai marre la S36, et il faut la nerf, et moi le premier, j'en ai marre. Du coup, ne vous inquiétez pas, déjà, elle sera rééquilibrée lors de la saison 4. Du coup, pourquoi elle est aussi forte? Tout simplement que c'est une arme qui est très très bien à longue distance. Et en plus de ça, vu que c'est une mitrailleuse, on peut spam énormément de balles jusqu'à tuer l'adversaire, et encore mieux, avec Balbendé, le tuer à travers les murs. Comme vous l'avez compris, on va faire quelques games avec la S36. J'ai décidé de le mettre en accessoire balles blindées, le chargeur rapide, très efficace et notamment obligatoire, et surtout d'augmenter la visée avec la poignée ergonomique. Sans oublier le petit viseur laser qui est pas obligatoire mais plutôt indispensable. Comme vous le savez maintenant, j'ai réussi à rusher le légendaire. Rusher en solo, c'est pas très efficace, mais j'ai peur de rien. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de la S36. Et c'est parti, ça nous a fait atterrir sur du MME sur Crash. C'est peut-être la meilleure map, le meilleur mode justement pour la S36. Donc je vais rester par là moi. J'essaie de gérer ce spawn là. Non. Ok, je peux pas le tuer de là. Ça arrive de là. Petite roquette indispensable. What, il est pas mort? Parfait, il y en a un autre. Non, j'ai pas pu tuer le deuxième. Par contre, c'est un petit peu abusé. J'ai mis une roquette sur les deux et ça a fait un petit marqueur posé par balle. Donc là, c'est là où il faut faire glisser plus sauter. Vous perdrez le moins de temps possible pour aller à l'endroit voulu. Ah ouais, d'accord, on a perdu la petite avance. Personne par là. Oh, j'aurais pu tuer avec ma grenade hasardeuse. Si, je l'entends. Je vais essayer de le rusher. Ah là, là c'est mort par contre. Ah, il m'a louché. Moi, je l'ai encore plus louché au final. Oh là là, le combat de manchot qu'il y a eu. La S36 se joue de manière à camper au final. Vu que son défaut, c'est de mettre plus de temps à viser. Autant être de loin, comme ça, vous avez le temps de viser et tuer l'adversaire. Toujours personne par là. J'aime pas ça quand on n'a pas de drone. Donc il y en a un au fond. Voilà en quoi elle est forte. C'est de pouvoir spammer comme un porc. Et en plus de ça, elle a beaucoup de balles. Est-ce qu'il y en a qui vient ou pas? Ça arrive. Non. Si, c'est bon. Ça vient ou ça vient pas? Allez, on recharge tranquillement. Deux petites secondes pour recharger avec le chargeur. Et derrière, ça nous a tué instantanément. Comme quoi, on peut être puni très rapidement également avec S36. Ah, il y en a juste devant. Ah, il faut pas qu'il bouge. Ah, je peux pas le tuer de là. Ah non, il y en avait un sur ma gauche. Dommage, dommage, dommage. Ok, il campait avec sa AK-117. Là, j'ai du mal à comprendre les spawns. Ok, donc on va rester plutôt par là. Faire en sorte que ce soit normal, les spawns, là. Voilà, sérieux, le demi-tour qu'il m'a fait. Et non, j'ai pas pu le tuer. Il va venir me rusher certainement. Ah ouais, bah avec la machine de guerre là, il n'y avait aucune excuse. Ah, avec la machine de guerre encore. Ah non, c'est bon, voilà, utilise toutes tes balles. Toujours par là ou pas? Non. Je vais en profiter pour rester par là. Oh là, au moment où je prends le trophée système. Parfait. Ah non, c'est le trophée système qui a absorbé les poids, je pensais qu'on l'avait tué. Ok, c'est bon. À 24 à 35 par contre. Ça sent la belle petite défaite à da. Ah ouais, non, il a son épervier. Ah, c'est pas grave, j'ai réussi à lui casser quand même son slam. Allez, vite, 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 vite. Ça va se jouer au niveau des spécialistes. Il va falloir que j'essaye de faire beaucoup de kills. Attends, y'a personne qui tue les drones chez nous. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est ce drone. J'arrive pas à le voir. Tant pis. Allez, 29 à 40. Ouais, là, ça sent la belle petite défaite quand même. Faut pas exagérer. Même un bon spécialiste ne permettra pas de rattraper 10 kills. Il va falloir tenter le coup. Je pense que c'est toujours par là. Ok, nice. Ah, parfait, on a un petit drone. Ouais, mais bon, il en reste 3 kills à faire, même pas 2 kills maintenant. Oh! Oh! Sérieusement, il est pas mort? Ah là là, je veux bien que ce soit gilet pare-balles, mais quand même, ça pète à ses pieds. Bon, en tout cas, c'était pas le bon exemple pour vous montrer exactement comment la S36, elle est bien cheatée. Dans tous les cas, j'ai un petit peu de mal, moi, avec les fusils mitrailleurs, mais ça change rien. On va aller faire une deuxième game, et cette fois, j'espère atterrir sur de la bonne domination. Les armes cheatées, j'ai trop de mal à y jouer, de toute façon. La game d'avant, on s'est fait déchirer, mais le problème, en fait, c'était qu'on était avec des abonnés, et du coup, il a décidé de m'inviter, et là, maintenant, je me suis retrouvé avec eux. Allez, c'est parti. On tombe sur de la RD. Ah, c'est pas la bonne map sur feu croisé, mais c'est pas grave. Je vais être full S36. On essaie de rester de loin. Y'a personne par là. Non. Oh, si, j'en ai touché un. Avec ma petite grenade. Attention. Petite roquette dans la boutique. Non, y'en a un qui a fait le tour. Ah, sérieusement.
Bon, ok. Tant pis. Ah, là, le 1 contre 3, ça va être tendu. GG Lara. Allez, allez, il peut se le faire. Récupère juste les petits PV. Bien joué, le 1-1. Il a un avantage psychologique. C'est bon. Tant qu'il n'a pas posé. GG Lara. Bien joué, Lara. Il a carré carrément toute l'équipe. Dans tous les cas, la MSMC, c'est vraiment une très très bonne arme sur ce mode de jeu et sur cette map, mine de rien, quand on arrive à bien faire le tour. Je suis prêt à parier qu'ils vont refaire la même connerie. Donc, reviens par là, vas-y. Ah, ça va être chaud. Parfait. Ah, il y en avait un dans mon dos. J'étais sur le moment où je me barre, c'est là où il arrive. GG à lui quand même. Le 1 contre 2, est-ce qu'on aura un peu de refaire? Il a un petit drone, il me semble. Non, il n'a pas de drone. Ok, c'était juste un bug de texture. Triple mine ici pour bien gérer. Parfait pour gérer la roquette ou les petites grenades. Il attend par là. Je sais pas s'il devrait pas faire le tour. Il n'arrive pas à récupérer une arme secondaire. Il en entend un. Ah, est-ce qu'il peut le tuer? Il est loin. Dommage, face à une MC, c'était tendu. Ou est-ce qu'il était à distance? C'est pas grave. Allez, le 1-1 qui est là. On va faire en sorte vraiment de rattraper les points perdus de la game d'avant. Ok, là, là. Ah, il meurt pas. Ah non, il a rushé. Mais sérieusement, va défendre tes drapeaux. En plus, t'as une M16 et tu rushes, t'es sérieux, toi? Oh là là, lui, ça fait 3 fois qu'il me bute à chaque game, ça commence vraiment à me saouler. Ok, du coup, je vais vraiment devoir faire attention. Allez, bat tout ce qui est là. Voilà, encore une fois, c'est le mec avec sa M16. Du coup, c'est bon, ils ont vu qu'il était par là. Ils vont le rusher à plusieurs. Ok, GG. C'est parti. Pour le moment, je fais rien du tout. Mais bon, avec la S36, c'est tendu, mine de rien, sur de la recherche et destruction. Il vient ou il vient pas avec sa M16? Exact. Elle vient par là. Ah, je pense qu'il est mort. Il a dû le tuer battu, je pense. C'est parti. Ah, le 1 contre 3. Eh non, il n'était pas mort avec sa M16 en clown magnifique. Décidément. Ouh, ouais, je vais courir, je vais essayer de jouer comme si c'était une M16 ou une AK-117, ce que j'avais. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque avec la S36. Je sais qu'elle fait des bons petits dégâts, mais je sais qu'il faut anticiper le viseur. Encore là. Allez, chien, le petit trophée système. Ok, parfait. Ah non, il y en a un autre. Mais sérieux, j'ai tous M16 en clown magnifique ou quoi? Mais non. En tout cas, je suis content. Au trophée système, j'ai réussi à bien me placer au final. Ah, on a le mauvais côté ou le bon côté? Je sais pas. Avec S36, on va voir. J'essaie de gérer le A et notamment le couloir vers le B. Ok, on est par là. Ah, je l'ai pas tué. Dommage. C'est pas grave, je les ai bien amochés, du coup ça fait des assists. Ah, je peux pas le tuer de là. Bon, il y a 3 contre 1 de toute façon. C'est bon, il a tué GG. J'ai envie de prendre les SMC, de tous les défoncer. Mais non, allez, on reste avec les S36 jusqu'au bout. Comme ça, j'en ai marre dans les deux sens. Marre de l'avoir en face et marre que je la prenne, qu'elle serve à rien avec moi. On va les toucher un peu là. Si, j'en ai touché un peu. Mais non, pourquoi tu fonces comme ça, mec? J'ai tué un. Voilà en quoi elle est forte. J'ai spammé comme un porc et c'est bien passé. Est-ce que je peux le tuer à lui ou pas? Ah, il passe à l'étage. Et non, dommage. Je l'avais bien anticipé. 3 contre 3. J'espère pas qu'il y en a qui va faire le tour. Sérieux? Mais attends, y'a personne qui a géré le 1? Allez, le 1-1, Batius. Si tu le perds, c'est le drame de ta vie. Ah, ça, il a vu. Oh, GG. Allez, c'est bon, on est toujours dans la game, là. Ouh, ça va être tendu. Si on arrive à faire le 5-5, en plus, on va tourner. Donc, du coup, ce sera nous qui aurons l'avantage. Du moins, je préfère l'autre côté. Mais c'est pas encore fini. Il reste encore la petite manche, et celle-là, elle va être tendue. Ah, il faut qu'on arrive à créer le surnombre. 4 contre 4. 4 contre 3. Faut pas que je fonce. Sur où, les mecs? Certainement sur le B, maintenant. 4 contre 2, GG. Okay, par là. C'est plutôt de faire le tour. Parfait. Allez, 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 ramenez-vous les collègues. Tu es là? Il est à côté? Non, ça y est, ça y est. Il a vu Agator, il a vu. Avec sa PDW, il devrait faire du sale. Non, ça y est, il a perdu de vue. Allez, Agator! Non! Ah, ça va, Batsus! GG ça! Oh là 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 là! Batus qui a réussi à sauver deux fois les games in extremis! Ça compte plutôt, vu que c'est la dernière manche. Ah, il faut pas qu'il fonce les coéquipiers!
Ok, c'est bon. Il a réussi à prendre le kill qu'il fallait. Non, il a un up. Me tue pas, me tue pas, me tue pas. Laisse-moi tranquille. Ok, il est parti. Le mec est à l'étage. C'est bon. Il a pas réussi à me faire le tour, lui. C'est celui que je jouais depuis tout à l'heure. 3 contre 1. Personne par là. Une petite minute restante. Je sais pas s'il est en haut le dernier. Si, GG! Oh là là là! On a réussi à prendre la win in extremis. Du coup, ça fait un bon petit 6 à 5 avec cette S36 que j'arrive plus ou moins à gérer en fin de game. Mais voilà, il faut vraiment la jouer avec le viseur. Donc le bouton, j'arrivais plus à le trouver dans mes commandes. C'est pas grave. Le but étant de vous montrer à quel point elle peut être puissante, de spammer à travers les murs. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez voir que vous pouvez faire beaucoup de kills. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!